Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en licence professionnelle GEPAR, mais je viens d'obtenir mon DUT génie biologique option agronomie ici à l'IUT d'Auch. Je vais te présenter un peu l'IUT et le département génie biologique en particulier. Je vais te montrer l'amphithéâtre A. C'est dans cette salle que se passent les partiels ainsi que les cours magistraux avec la promo tout entière. Je vais maintenant te présenter le bâtiment A. C'est le bâtiment où il y a les TP de génie biologique se font le plus. C'est un bâtiment tout neuf. J'ai eu la chance d'y faire des TP en fin de ma deuxième année génie biologique, mais je ne connais pas encore beaucoup ce bâtiment, je n'ai pas effectué beaucoup de TP ici. Ici, c'est un coin plutôt de détente entre deux TP, on peut venir ici. Ici, on a une première salle de TP. C'est une salle où j'ai effectué plutôt des TP de chimie. On peut voir avec les spectrophotomètres ainsi que les éprouvettes, etc. Dans cette salle, c'est plutôt des TP de microbiologie qu'on va effectuer, notamment avec le microscope, avec le bec benzène. Par exemple, ici, j'ai effectué un TP où on devait regarder les différents micro-organismes qu'il y avait dans l'eau d'une rivière se situant dans le département du Gers. Le bec benzène, c'est pour travailler en stérilité. Et on a aussi du coup les poubelles d'Asserie pour jeter tout ce qui est souillé. Et on a ici une salle plus récente avec des PSM. Ce sont des postes où on peut travailler en stérilité et qui sont plus performants qu'avec les becs benzène. Je vais maintenant te montrer la cafétéria, l'endroit de détente après les cours. Voici ici la cafétéria, on peut manger en intérieur comme en extérieur. J'espère que cette visite t'a plu et que tu viendras me rejoindre à l'IUT Génie Biologique de Auch parce que c'est vraiment un site super.